L'Afrique, c'est le continent de la danse. Personne au monde ne sait danser comme nous. Je crois que la danse, c'est un art où on n'a pas besoin d'apprendre, de savoir lire ou écrire ou même compter. On a juste besoin de parler avec son corps. La danse est la mère de tous les arts en Afrique. Et que tout le monde travaille pour le danseur. Le fabricant de masques travaille pour le danseur. Le musicien travaille pour le danseur. Le fabricant de costumes, les masseuses, les coiffeuses, etc., etc. Donc il faut développer la danse. Il faut que les États africains, comme ils le font pour le football, le fassent pour la danse. Parce que d'abord, nous-mêmes les Africains, nous aimons regarder notre danse. Le monde aussi aime regarder notre danse. Et la danse, comme le football, c'est l'expression même de la liberté. Donc à mon avis, les défis, c'est ceux de vraiment développer cet art-là, qui aujourd'hui est encore vendable. Tout le monde veut acheter de la danse africaine, à commencer par les Africains eux-mêmes, qu'elle soit contemporaine ou qu'elle soit traditionnelle. Il faut d'abord dire qu'aujourd'hui, la plupart des pays africains ont enfin compris que la culture pouvait être un défi à relever pour le développement. Je pense qu'il faut d'abord voir la culture comme un secteur économique à part entière et un secteur qui génère des revenus, qui crée des richesses. Alors on peut comprendre qu'on ne peut pas parler d'industrie culturelle, on ne peut pas parler de développement à travers la culture sans que les questions de protection ne soient des questions réglées. Parce que si les produits que les artistes fabriquent ou bien que l'industrie créatives, on va parler de l'édition, la musique, le cinéma. Si ces produits-là sont piratés, alors l'économie en prend un coup. Et si les produits sont bien protégés, alors les États peuvent en tirer des revenus, on peut créer des emplois et les économies peuvent prospérer. Si les œuvres ne sont pas protégées, que ce soit par le droit d'auteur ou par le droit voisin, cela va tuer la créativité. Puisque les artistes n'arriveront pas à vivre de leur art, forcément ça va les décourager. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays africains, les artistes commencent à se décourager. Parce que vous savez, quelquefois, il faut toute une année, voire toute une vie pour écrire un livre, pour écrire 15 à 20 minutes de chorégraphie. Si vous ne pouvez pas en vivre, alors à ce moment-là, ça décourage et ça tue la créativité. La piraterie touche pratiquement tous les secteurs de la création artistique. Voilà pourquoi la question de la protection est une question importante. Parce que la danse est au centre de notre vie. C'est pourquoi il faut la protéger. Il faut protéger les expressions du folklore qui sont liées à la danse. Il faut protéger les créations des chorégraphes contemporains, mais aussi des chorégraphes urbains, des chorégraphes tout court. C'est pour ça que les questions de protection sont vraiment importantes, qu'elles sont essentielles dans notre métier.